Bingo de la médiathèque de Perpignan, em dic Elsa. Je vais vous présenter quelques coups de cœur en langue catalane. Tout d'abord, Tants anys de silenci, qui est d'un auteur galicien. C'est un livre poignant, et donc sur la guerre civile d'Espagne, bien évidemment. Et donc, il y a un passé et il y a un présent. Et c'est pas un thriller, mais il y a beaucoup de suspense. Donc, si vous lisez en langue catalane, je vous le recommande vivement. En plus, c'est une nouveauté. Incontournable Lusiac, Memoria d'un Zeus Pintats. C'est un livre fort bien écrit, qui est dur, puisque c'est sur des jeunes qui ont été enrôlés par les franquistes pour faire leurs basses œuvres pendant la guerre d'Espagne. Et en parallèle, il y a une histoire d'amitié et aussi une idylle entre deux hommes. C'est vraiment passionnant. Ensuite, pour les ados, jeunes adultes, je vous conseille des polars. Celui-ci, Descounegouts de David Lozano, qui est un policier sur le harcèlement virtuel. Les livres de Natasha Preston, El Soterrani, celui-là, il est peut-être un peu plus dur que La Cabane. On a en nouveauté Besson, qui veut dire jumelle. Mais on ne l'a pas encore à la médiathèque, mais on l'a à Barrande et à Dormesson. Voilà, c'est des livres de bons polars, de très bons polars, que je vous conseille vivement de lire si vous lisez bien le catalan. Ensuite, il y a Miquel Pujadó, qui est un auteur, chanteur, compositeur. Il a écrit ce livre pour ados, Fantasmes comme nos altres, qui est, si vous avez vu le film Ghost, voilà, ben c'est Ghost, mais pour ados, voilà. Et ensuite, il a écrit un livre de poésie, Paroles d'amour, qui enfin, c'est des poèmes très jolis, avec des illustrations super. Voilà, et c'est un livre à emprunter et à lire à sa bien-aimée ou à son bien-aimé. Ensuite, au niveau des albums jeunesse, tous les livres de Rocío Bonilla. Rocío Bonilla, c'est une illustratrice, je vous le montre, une illustratrice barcelonaise. Voilà, les textes sont vraiment bien. Voilà, c'est bien écrit et elle vraiment, elle fait des illustrations super. Voilà, ça tourne toujours autour de l'amitié, de la parentalité. C'est vraiment génial. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est les éditions Nanit. Alors, ils adaptent en fait des chansons sous forme d'histoire, des chansons de groupes catalans, de Catalogne. Donc évidemment, celui-ci, Contam Mi, qui est une chanson de charango, qui est magnifique. Et donc, ils l'ont mis en histoire, en album. Et c'est vraiment bien fait. Voilà. Il y a celui-ci que j'adore, c'est l'adaptation d'Imagine de John Lennon. Le petit plus, c'est très bien adapté. Et le petit plus, c'est que c'est en anglais et en catalan. Voilà. Ensuite, l'incontournable adaptation Libertat de Paul Éluard. Vous avez peut-être entendu la lecture pendant le confinement sur la page Facebook de la médiathèque. Superbe. Et ensuite, des extraits de poèmes de Miquel Martí i Pol qui sont illustrés par Pilarín Báez. Alors j'ai mis 13 de plus parce que les illustrations sont quand même un petit peu trash pour certaines. Voilà, je vous en montre juste une, pas le bas, je veux pas. Voilà, et vous avez des extraits de poèmes de Miquel Martí i Pol et c'est un excellent livre, je vous le recommande. Ensuite, pour ce qui est de la musique, bien évidemment, les incontournables d'ici que moi j'aime, c'est Pascal Comelade, Gérard Jaquet, Pere Figuera. Et pour la Catalogne, Blaumut. Alors ça, c'est génial, c'est lent, mais c'est tendre, les textes sont très poétiques, c'est génial.
Après, plus pour danser et un peu plus des sonorités pétaradantes, Ocas Crassas, voilà. Moi, j'adore In the Night, vraiment, on peut danser dessus, c'est génial. Il y a des chansons quand même légères et puis d'autres un peu plus engagées. Voilà. J'aime aussi un groupe valencien qui chante en catalan valencien qui s'appelle Zooposé. Pareil, c'est à la fois léger et par moments engagé. Et ce qui est bien avec ces groupes catalans, Ocas Crassas et Zooposé, c'est que contrairement à Charango, eux, ils font, c'est plutôt folk. Ces deux groupes-là, il y a des sonorités un petit peu électro dans certaines chansons. Voilà. Ben, j'espère que ma présentation vous a plu. Et no dubteu a llegir en català i continueu perquè és bé de sempre parlar una altra llengua i sobretot llegir. És important. Moltes gràcies.